perdre les lunettes, tu m'en veux pas, oh, je suis complètement t'en fous, miro. Ouais. Qu'est-ce que c'est que pour toi l'espoir? Oh putain, t'es là avec ta caméra au coin et tu me poses une question aussi fondamentale que ce que c'est que l'espoir, quoi. C'est violent. Qu'est-ce que c'est que pour moi l'espoir? Mec, je suis pas préparé à ça. Mec, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus, putain. C'est vrai que l'espoir, c'est de savoir qu'on a encore un... qu'on a encore... un truc très con, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ce qu'on dit ce truc-là, mais c'est pas tout à fait faux, quoi. Quelle que soit la situation dans laquelle on soit, même la plus désespérée, même la plus maladive, abattue, il y a toujours un truc qui vous raccroche à un instinct de survie, à l'espérance que les choses vont s'arranger, revenir en arrière, c'est cette espèce d'instinct de l'espèce le plus absolu. Je fais des phrases compliquées pour essayer de trouver la fin de ma phrase, c'est cette espèce d'instinct le plus absolu qui vous pousse à penser qu'on doit s'en tirer, quoi. Qu'on peut pas disparaître et qu'on peut pas être englouti comme ça. Et je crois que c'est ça qui est assez beau, c'est cette croyance, même dans les situations perdues, même dans les causes les plus perdues, que ça va s'arranger. C'est un truc, c'est une force de je crois, pour tous les hommes, quoi. Qui donc réparera l'âme des amants tristes? C'est quoi, c'est une question, ça? Ouais, c'est une chanson de Léo Ferré. Qui donc réparera l'âme des amants tristes? C'est l'espoir, c'est ça que tu penses? Peut-être l'alcool, d'autres amours un peu plus joyeuses, un peu plus passionnées, un peu plus déconnantes, un peu plus légères, peut-être la légèreté.